42 crack. Oui, c'est sûr qu'avec un space, tu mets à 200, c'est le flash, oui, c'est assez sûr, mais bon. Aujourd'hui, vous êtes très logique, le chat, je trouve. Genre, c'est. Plus facile à dire qu'à faire. L'expression. Ça a sur live. Qui convient, je pense. Si c'est ça, ouais, tu mets des 200 à tout le monde, c'est bon, t'es qualifié, tu win, les 26, ça sans problème. Nouvelle strat, easy move. Y'a des mecs sur moi là. On a réussi à replay, c'est pas mal ça, par contre. Bien joué de la part de ma gueule. Je suis là. Ouais. Dommage de pas avoir collé les mecs parce qu'ils étaient bien. Et là, ma gueule, il avait bien joué en plus. Moi j'en ai touché une juste. Vas-y, MC, reste sur eux. C'est un replay très lent, mais l'adversaire en fait a pas construit. Ils sont full boxés en face, mais par contre, on prend un petit peu de dégâts. Mais là, le problème c'est qu'il y a personne avec ma gueule en fait. Mais j'ai mis moins 108, j'ai des cracks. On voit trop pourquoi depuis tout à l'heure ils sont pas avec ma gueule. Alors surtout qu'Emir a fait le call en plus, go tuer ceux qui sont en dessous. 80 cracks. Encore une belle balle de la barre de ma gueule. Ah, malheureusement, il va se faire go à coup de PM. Il va se faire finir. Putain, mais il est que de la chance. Ouais, un peu dommage parce que le call est bien, ma gueule arrive à bien faire des dégâts, mais je sais pas, ça suit pas en fait, je sais pas trop. Bah, en fait, c'est logique que si tu aggro un joueur, enfin en 1v2, même si tu récupères les dits, en fait, c'est eux qui ont l'avantage. Parce qu'ils sont deux à tirer alors que toi tout seul, enfin genre ton pompe il va passer. Ce que je veux dire, c'est que ma gueule en fait, il arrive à mettre des dégâts, il replace, il revient en haut, et Emir en fait fait le call, go, on va tuer ceux d'en bas, tu vois. Donc ceux que ma gueule est en focus. Malheureusement, il y a que ma gueule en fait qui y va, et c'est pour ça que c'est dommage quoi. Ouais, ça je suis d'accord, en fait, le call est bon, l'action de ma gueule aussi, mais effectivement, le fait qu'ils soient pas ensemble pour faire ce call, ça fait que effectivement c'est. Lui ah, malheureusement il se fait avoir là-dessus, Emir, Damsic tout seul, mais on sait qu'il y en a déjà qu'un ou un, donc Damsic qui peut le faire, parce qu'ils sont tous les deux mais ils ont pas trop de vie. Allez, allez. Oh. Ah, dommage. Oh, il a mis une balle à un mec qui était par terre. Ils sont à 5 games là. Mais c'est que des 1v3. Il reste encore 5 games pour eux, mais... Le top 1000 est à 44 points, donc on voit ça monte quand même. Ouais, c'est un peu ça, parce que malgré il avait réussi à mettre pas mal de dégâts quand même, mais c'est dommage de pas... Et il y a Damsic à la fin, il dit ouais c'est que des 1v3, ouais j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait. Emir et meurt après tout seul en 1v3, Damsic à la fin se retrouve tout seul aussi en 1v3, et ouais c'est un petit peu dommage quoi. Le problème c'est là, ce qui me fait peur pour eux, c'est que ils sont en train d'enchaîner un petit peu les retours lobby un peu éclatés au sol, et on sent qu'ils commencent un peu à tous s'énerver, faudrait pas que ça... Au niveau du mental, parce que là ça peut complètement péter et lâcher l'affaire quoi, donc... Attention à ça quand même. T'Dunchy 51 points. Oh, peut-être la balle sniper. Non, ça ne touchera pas malheureusement. Il est 20h. Première heure déjà de passer. Prenons le classement au-dessus. Noirelli, Aqua et Reason premier avec 103 points déjà. Ils ont fait un top 1 34 kills première game. Deuxième game, ils font un top 28 0 kills. Donc pas trop de points. Pas de points du tout même. Et troisième game, top 1, 19 kills. Voilà. Ça c'est fait. C'est soit tu fais un retour lobby, soit tu détruis la game quoi. Donc ok. Il y a combien de grosses là? On a 3. C'est grand quand même ce niveau. Ouais, bah il y en a 11. Il y a combien de briques? Il y a combien de briques? C'est un gros truc. Il y a combien de briques les gars? Les matelas, c'est grave leur niveau. 950 frère. Chut. Il y a des mecs contact à moi. Il y avait la team. Ouais, il y avait l'autre team. Ils ont la zone pour l'instant, on voit qu'ils ont déjà pas mal de kills là par contre. 8 kills, j'ai l'impression. J'ai envie d'aller améliorer mon chasseur bleu. Ouais, ce serait une bonne idée, mais faut faire attention évidemment de pas prendre de risques. Vas-y, tant pis. Vas-y, go poser nos mats dans l'extend au fond. On fait tous, il y a 1500 de mats. Pose tout. Il est 0 là sur moi, ça se fait spam. Moi, 0, 0, ah, on ramène tout le stuff là-bas. Sur tous les kills qu'on a récupéré, du coup on a à peu près 2 voire 3000 de maths en plus. Ouais. Oh coco, non, il en restait pas tant que ça, donc on a potentiellement on va dire 2000 de maths en plus facile. J'ai 0-0-0. J'ai 20-0-1. Il y avait pas 1. Mais si, il y avait. Oh, il reste encore pas mal quand même donc. Oh, oui. 700 de métal en plus, 700 de briques en plus, ils ont à peu près, genre juste Floki, à lui tout seul, il a à peu près 3000, plus de 3000 de build. Non, mais non, je jette pas les 11, je les ai pris, c'est bon, viens, j'ai ramené tes grosses. Tu fais quoi, Clem? En plus, il y a 50 millions de piments là, ils ont récupéré beaucoup de stuff sur ces kills là. Il y a pas de là du coup, utiliser,
C'est un petit peu dommage du coup ouais, de pas d'upgrade et de pas avoir de space avec autant de builds en trop comme ça. Ouais, c'est ça. Les poissons ils sont buggés. Ah non, moi j'aimerais bien me mettre une space hein. J'ai un chasseur bleu en vrai. Chut. Oh, il y a encore une. C'est qu'il faut aller jusqu'au truc. Il y a encore 3 grosses ici. Ouais. Après, ils ont limite. Ils ont trop de soif en fait. Ils ont trop de soif. Regardez toutes les grosses potes qu'ils ont et tout. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. là, effectivement, faudrait limite arriver à faire une extend jusqu'au à l'améliorateur. J'en ai vu 3 en trop des gros. Bon, ça peut être risqué. Oui, mais. Je les ai pris. Non. Ah, mais tu voilà, c'est peut-être ce qu'ils vont faire finalement. Qui est donné. Il y a combien de trucs ouais, il y a 700 de métal, vas-y, Jackson. Ouais, on va tout cramer. On va pas aller upgrade son space, malheureusement. On va juste cramer bah, tout son build et. Il y a 700, ouais, donc on a, il a là, de quoi, fiches, il a de quoi de faire ça et encore une fois, et presque encore une fois, donc il y a pareil, il y a aussi 700 de briques en plus. Ouais, ouais. Vas-y, moi je prends un... Du coup, alors ça, faut faire attention par exemple, parce que là, s'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du tunnel, et qui rentre, et il peut mettre un gros laser, donc juste... Si t'enfermes une de temps en temps, c'est ouais, quand même bah plus, plus safe. Mais c'est bon, je suis venu chercher les pépères. Arrête de on récupère vraiment tout le. On peut tout récupérer. Hein. Il reste 202. J'ai posé. C'est des. Sauf le bois. Des petits nains là qui sont dans leur mine en train de creuser des tunnels. Là. Incroyable. Hein. Mais regarde aussi, il y a tellement de stuff encore, c'est grave. On était tellement loin de la zone et on va pouvoir y aller sans problème donc Ah j'imagine c'est une team qui était à flotty pour avoir autant de piments, enfin je pense. Attends, il s'est fait laser là. Ça faisait Thomas, beaucoup Thomas, contre blanc. Tu veux y aller non. Par contre si tu meurs avec tout ce stuff là. Ah non ouais, c'est terrible. Les gars dans l'eau là. Ah, c'est le truc qui est pas autorisé là. Surtout qu'ils sont très éloignés les uns des autres avec ce tunnel là. Et Clément je crois qu'il est loin notamment. Attention à ça. Effectivement, c'est une méta one shot hein, avec cette méta space. T'es un peu isolé, t'as beau avoir le stuff que tu veux, tu prends 200. Les joueurs ont pas de. Tes coéquipiers ont pas de temps d'agir. J'ai 80 builds. Ouais, la Storm Charge déjà. Ouais, nice. Ils sont 40 là, donc elle va peut-être prendre. 2878 au-dessus. Ils ont 9 filets du coup, ils ont pas mal enchaîné clairement, donc c'est bien. On voit qu'on commence à marquer beaucoup de points sur cette game là. Ouais, attention, ils sont très séparés, faudrait pas qu'il y ait justement un joueur qui se fasse one shot. Il y a justement Loki là qui va tomber, du coup la Storm Surge qui donc va pas être active. Un jour après, mais du coup non, finalement elle sera pas active, on a 43 points pour l'instant. Non, parce qu'on a beaucoup de kills, on est à 11, mais on n'a pas de space, pas de scar, on a plus de build non plus donc. Ouais, c'est bizarre, j'imagine que c'est des. Enfin, du coup, forcément pas des kills en early. Sinon ils auraient pu eu le temps d'upgrade. Un petit bidon d'essence là, peut-être faire quelque chose derrière lui. Le problème c'est qu'il a plus de build maintenant. Les tapes les gars, vous êtes top 12, vous êtes top 12. Et autant envoyer le... Oh là-dessous il y a du stuff. Bon, y'a rien du tout à part des balles. Il va manger de la zone. Si on la fait pas qu'il se fasse bloquer, voilà ça va être compliqué. Il a un bidon au pire hein. Ouais non, honnêtement il meurt de la tempête. Allez gros, joue les tapes. Il reste plus qu'SPK, mais SPK a pas trop de vie non plus hein. Je sais pas trop comment il va faire pour tanker. Après un petit peu de dégâts, mais pour l'instant il arrive à survivre un petit peu. Après il a le canon en bandage. Ah ouais, le problème c'est qu'il se fait toujours jaune, il avait plus de build. Je vais pas savoir si ce sera un top 10 pour eux. Top 10. J'ai pas vu combien ils avaient de points du coup, à la fin de la game. Moi je mets au milieu. Ok, ouais donc il reste bien pour l'instant. Et on est déjà à 1h15 quand même, donc ouais clairement, bientôt la moitié déjà. Parfait, j'atterris là. Qui est vraiment bien fait pour... Oh. En plus il a mis une belle balle. Dommage qu'il a pas un space, celle-là je pense que c'était un free kill. C'est bien, il a réussi à récupérer la zone avec eux. On peut se faire mettre là. On replace tout ça. Attendez. Bouge. J'ai 4-2-0. 4-2-0. On voit comment se protéger des matelas adverses. 4-2-0. Ouais, ça c'est bien. Où ? Là c'est pas nous. On peut mettre là non ? Là devant j'aurais pu, soyez prêts. J'y vais. Ah, strat. Oh, c'est bien joué ça. Il a. C'est encore mieux que la strat matelas. Les a fait tomber tous les deux. C'est moi mais bon. En fait c'est tu mets la répu tout en bas et tu mets un chapeau sur la tête et du coup ça peut la ça la bloque ou je sais pas quoi, un délire comme ça. Ouais. Après il m'a mis un turn 150. Du coup ça le fait tomber quoi. Donc les deux joueurs sont tombés.
Ah là, pour le coup, c'était vraiment bien joué de la part de Nico, ça a été rapide et très fort. Heureusement qu'il t'en sait parce que je pense qu'on serait mort. Moi j'ai pris la tatane, frère. Ouais, moi j'ai pris la tatane. On récupérera ce passe, maintenant on va faire l'upgrade. Il y a encore 50 millions de métal, de bois, il y a tout encore. Je sais pas combien ils ont accès à de construction depuis le début de la partie. 84! Ce qui m'a mis! Vas-y, mets des splash, Ouais, les gens. Ça va, c'est un space gros, c'est un space en face. T'as pris 80, pas mal. C'est clair. Le mec en face il doit même se dire putain j'ai mis que 80 au space donc. C'est notre champ, matelas je crois. Non j'ai pas de matelas moi, c'est toi qui as les matelas. What? Je laisse deux grosses, quelqu'un peut, je reprends 4 splash. Y'a combien de métal 200? T'es full grosse, on avance tranquille. J'en ai deux, j'en ai deux. Y'en a une là. C'est parce qu'on n'hésite pas à extender en métal vu qu'il y a un mécanisme derrière. On en profite en balle. J'ai balancé ta grosse fuck. Ok nice. Go met un moon, c'est allez, on s'est remis full. On a 5-5-5, gros, on est trop bien. Eh, ils ont beaucoup, beaucoup de builds encore. Ils sont tous les trois presque full là donc. J'ai 3 fiches aussi. Les mecs, par exemple, faut qu'il fasse attention parce que là, il a fait une ouverture derrière lui. Il la ferme pas et il reste dans le même tunnel donc ça peut être une opportunité pour un joueur de monter dans le tunnel. Ce serait pas mal de jouer. Je trouve ça dommage de vouloir jouer le heal alors que bah t'es full stuff, t'as tout pour aller contester la hauteur. T'as full build donc tu peux rester en haut sans problème. Je trouve ça un peu dommage de. J'ai mis 33, on se tout. Il va mettre un petit peu de dégâts, il y a eu un clic à TF, mais ce sera pas par eux malheureusement. Vas-y, on m'a fait tomber, on m'a fait tomber, regardez où je suis. Et attention, il est complètement dans l'eau. Ok, bon, je vais devoir. Alors, c'est débrouillé tout seul, il a pas trop le choix. Ouais, c'est ça, mais il a encore des maths. Il peut extinguer. Derrière moi, il y a un mec. De toute façon, vu tout ce qu'il avait, c'est bon, il a récupéré la position avec eux. Attention, par contre, un petit peu de dégâts derrière, maintenant ça va. Edith ! Ok, un 200. J'ai plus de balles. Un 200 de Neko, ça c'est fait. Il est où le 200 ? Il est où ? Non, il a été répu. T'as que. T'as besoin de dur ou pas? Donc ça va être le kill validé du coup pour Neko donc c'est bien. Non mais gros c'est grave ça. Neko il a une seule com, c'est genre 200 200 sur moi. Mais il vient de mettre 3 200 d'affilée en fait. 200 j'ai mis 70, je m'appelle Neko. Mort 80 crack. Et éditez-le, arrêtez de line, arrêtez de line. Ah c'était tellement gratuit ça. Un peu là. Sérieux. La zone, la zone. Ah soit du moment que tu one shot le mec, même s'il a que 80 points de vie, ça reste comme un 200 quoi en soi. Balèque, tu one shot. Je suis sur le high, je suis sur le high les gars. Oh peut-être là-dessus. Oh il a loupé sa balle dans la même. Il a pas vu le mec, tu fais quoi? Dans ma box. Je suis mort. Il dort mais t'as 3 poissons et il meurt encore avec 3 poissons à Floki. Ouais, je suis pas d'accord. Il aurait pas dû louper sa première balle, parce que le mec il a pas réagi, genre. Ouais, ouais, ouais. En fait, je pense que ça a été surprise. C'est ça, il est tellement pas. Je pense qu'il a pas bougé. Je sais plus quoi, mais. Je suis là, mais. Dommage qu'on a 16 kills, il reste 8 joueurs en vie. Je vois rien, frère. Il moline, je le vois pas avec les couleurs de merde. Il dort, hein, il dort, c'est un pote humain. Clairement, ça pour dormir, il dormait. Il avait la hauteur encore, le mec. Bah, et oui. Je loupe pas une balle parce que je vois rien avec les couleurs. Des pioches, pioches. Il reste 5 ennemis encore contre eux. Oh, il y a moyen de récupérer encore un kill récupéré de la part de Nekoz. Ah, ils vont le faire top sur cette game là. Ils sont trop bien partis là. Ils sont trop chauds. Ils dorment sur le PC, gros. Je suis sûr, c'est pas vraiment des 200 qui met, mais bon, c'est des one shot donc c'est le principal. Ouais, le top 1. T'as full. Il a 20 des poissons, il a 5 splash, encore, il a 5 splash, ouais, ils sont en train de faire un top 1 énorme, hein. C'est un top 1 21 kills là. Je suis full vie. Mais t'es full vie, mon grand. Ah, ils sont en train de le traquer là alors que. Faites attention, tu peux même tanker la zone. Ou je lui mettre un petit peu de dégâts, puis après tu tankes la zone et voilà, Chouba, bon, même pas. Voilà, ça c'est fait. 85 points. C'est vrai qu'elle était bizarre cette game, il restait pas. J'ai l'impression que les mecs qui restaient étaient pas. Je sais pas, c'était bizarre. Il y avait rien aussi. Faut que je refarme, je peux plus. Parce que du coup ils ont fait 20 kills, 45 21. Points, donc avant ça ils en avaient 35, 21. Ouais, ils ont fait 21 kills. Ouais, ouais. Bah pourtant... C'est quoi ces mecs qui ont pas un shield sur eux? Alors, Benji Savage, Jelichi, premier avec 116 points, top 1, 51 kills, top 16, 4 kills, top 4, 20 kills. Ils sont un peu énervés les bestiaux. Et là du coup, Floki et tout, ça les met 4ème. Hop, Nikukata qui a récupéré un petit espace 12.
qu'on voit, il y a KJ qui est déjà mort malheureusement. Pas trop bon ce qu'on est en train de faire. On met de l'essence là, c'est un peu. Moi, c'est qu'en tant que la zone, on n'a pas vraiment de hit blanche, je sais pas trop. Ouais, si on a un kit là-bas. Si, si, ouais, il y avait un kit. On a juste remis de l'essence dans le petit pick-up là. Ouais, et puis en plus, ils ont un canon avantage. On n'a pas récupéré la carte malheureusement. KJ, on dit gros, KJ ou KJ, j'en sais rien. Ils appellent comme ça, c'est tout, on est pas fou. Passager. On a 48 points pour l'instant, je sais combien déjà. Top passager. Mets toi passager. Ah ouais merde, j'ai pas vu derrière. C'est 50 points actuellement, donc pour l'instant ça ne passe pas. Ah, oh, à droite. Go passer par l'eau après. Oh vas-y. Attention, le pick-up il va morfler. Ouais. Le problème c'est qu'on sort en zone là. Et surtout, il fait quoi son. Je sais pas ce qu'il a fait son bro là, mais. Je crois qu'il tanque. Ah, mais il tanque la tempête parce qu'il a le canon à bandage. J'imagine qu'il s'en fout un peu. Ouais, je sais pas, mais là ils sont sur split complet en fait donc. Ouais, fake du mort, c'est encore une fois. C'est des adversaires, ils ont l'info. Il y a encore plus stack que celle d'avant en plus. C'est n'importe quoi. Après, 48 points, ils sont bien. Donc, vite, ça se dit Kid Jay. Y'a K-I-J-A-Y-E. Vas-y, go direct en zone. Genre, pourquoi je dirais kid? Y'a pas, ça a pas de sens, genre, t'es pas fou. Putain, c'est grave ça. Comme si moi je m'appelle Yoshi et je l'écrivais Z-E-V. Genre, voilà. C'est trop lourd en fait, genre. Oh là là, je parle plus avec vous, c'est bon. On a quand même réussi à se récupérer, oui, c'est bien. Enfin, parce qu'on a vraiment un stuff un peu rinsac. Bon, coucou, on a un space. Et tout à l'heure, avec juste un space, on a bien vu ce qu'il a réussi à faire. On fait un top 1, donc en soi, on peut bien l'utiliser. Hop là. Clairement. Mais à 2, ça va être plus compliqué quand même. Peut-être c'est mis dans le blanc, je suis mort, moi. Enfin, parce que là, on a pas de shield du côté de ma gueule. Il y en a deux, ils sont juste en cercle. Il reste 40 joueurs en vie, on a 7 kills pour l'instant. J'ai l'impression qu'on est un peu parti à la full bagarre là. 38 sur un mec. Ouais, je me fais spam par 8000 mec. T'as un kit. Tu sais qu'il a perdu pas mal de vie quand même. On peut peut-être le box. Sur moi, sur moi. Attends. J'essaye de voler un mec. Ah, mais il me semble. Encore une fois, ils sont chacun de leur côté. J'aime pas trop ça parce que là c'est tout bête, mais ma gueule a un call. Ouais, je peux en boxer un. MXR qui est là, ouais, je vais all-in un mec. Tamsik qui dit rien, donc on sait encore moins ce qu'il fait. Donc faut faire attention à ça. Ils sont tous en train de prendre leur propre duel en fait, et ils sont très bons. Et du coup, il y a de grandes chances qu'ils le gagnent, mais il y aurait encore plus de chances s'ils faisaient des 2v1 à chaque fois. Bah, clairement. C'est que là, on voit Tamsik, il a 10 points de vie. Il est un petit peu dans le mal. Ouais. Je suis dans mon code, moi, je bouge pas. Ah mais il est où Damsic là justement? Tu pourrais peut-être le soigner avec ton canon à bandage. C'est bien. Voilà, c'est ce qu'il fallait pour déclencher ce triple fight là. Mais c'est souvent un petit peu pareil, j'ai l'impression. Il faut d'abord qu'il y en ait un qui arrive en éliminer un pour qu'après ils jouent ensemble. Regarde, là ils sont enfin ensemble. Ouais, c'est ça. Je vais prendre le space. Vite, je vais mourir. Vas-y, répire. Vas-y, là. Ça m'a rien fait. Ok, c'est pas trop mal pour ma gueule. Putain, y'a un autre mec sur moi. Dans le blanc. Je mets un kill, Et Demsic bah, qui se fait, on a entendu la balle de pompe qui meurt. C'est quoi, c'est bouffon? Il y a notre mec. Oh, et en plus il se fait go là, ma gueule. Ah, en plus il l'a HP. Bandage, mais... Pire joueur de l'Europe. Il essaie de s'en sortir, ma gueule, mais c'est pas facile. C'est que t'es blanc, tout simplement. Voilà pourquoi il te joue. 37, bah ouais. C'est bien joué ça par contre, Emir qui a réussi un petit peu à l'aider à lui mettre un petit peu de dégâts. Du coup, c'est lui qui retrouve le mal, mais il y avait évidemment encore beaucoup plus de mal. Ah, puis en plus, il récupère le kill. Ah, mais non, c'est Mixer qui a récupéré le kill. C'est Emir qui a récupéré le kill. Il y avait vraiment deux teams en fait. Oui, il y avait deux teams. 54 points actuellement, il est top 34 dans cette game. Emir toujours vivant, quand même un petit peu de vie en soi, mais pas trop de buts, ça va être compliqué. Allez, où se passe là, Emir? Peut-être tenter quelque chose. Ouais, une belle balle là-dessus. Malheureusement, il se fait aggro un petit peu par celui qui est au-dessus.
Et il a plus de build, Emir. Mais son... c'est deux équipes, j'ai l'impression. Ça a essayé de mettre une balle de pompe, mais pas du tout sur lui. Donc, on entend une mini qui est en train d'être utilisée. Oh, ça a carrément pris la voiture, quoi. Au calme. Le mec est en train de se heal blanc, donc il y a moyen qu'il soit aussi low que Kemir pour le coup. Donc, aïe, tu suffiras pas, et cette balle de pompe qui va te louper, malheureusement. Ah, dommage. Mec, la dynamère, ils sont trop nuls, ils sont trop nuls au jeu. Ah non, 85, je croyais qu'ils avaient 98 points, j'ai rêvé. 85 points, ça les met à 8. Ouais. Vas-y, alors. 85 points, ça les met top 37. Top 50, même si ça fait pas longtemps que je l'ai actualisé, c'est passé à 55 points. Oh là là. Okay. On va devoir buter à côté. Ah, un petit peu de dégâts. C'est ah, ils sont spam. Zone, mais... Comment il est passé ça? Mais comment Yokai qui a pris beaucoup, beaucoup de dégâts là-dessus. Moi aussi, je bug à fond là. Je bug trop. Oh. Non. La zone qui a récupéré, mais on a quand même perdu beaucoup de stuff là-dessus. Ah, bon, évidemment. Bon, pourtant, bon, ils ont pas la foi qu'elle est crack, mais elle construit que en bois. Il faudrait peut-être changer. En vrai, parce que le bois, on le rappelle, est sur une scar, bah, ça fond donc. Ils ont raté le focus, Oh, on reste là, non? On est bien. T'es où, Yokai? Au-dessus. Attention, on pas trop pique quand même. Ouais, là, c'est un peu risqué. Passe des mini à Yokai 4. 53 joueurs encore en vie dans cette game. La prochaine zone qui va grimper la colline enneigée. Ils ont pas l'air d'avoir de moyens de rotate, ça va être compliqué là. Heureusement qu'ils ont la storm, parce que si en plus ils auraient dû jouer avec ça. Il y a 3 joueurs en trop. Ils ont un peu de maths, ils vont peut-être pouvoir faire le tour par la droite là. Vraiment le bord, il y aura peut-être un petit peu moins de joueurs. Surtout qu'ils sont au sud de la carte, donc il y a de grandes chances que tout, il y ait une grosse densité de joueurs justement dans la partie au nord là. Ah, mais ceux qui sont déjà placés sur la colline, s'ils ont l'info, ça va picoter. Et là j'allais dire, faut essayer de passer inaperçu, mais là justement faut pas tirer, faut essayer de jouer en sneaky un peu, vraiment passer sur le bord de zone là. Voilà, comme ça c'est très bien, faut pas tirer. C'est d'y aller. On sait qu'il y a des gens qui sont parfait, donc faire attention. J'en ai marre. Attention. Allez. Oula, par contre, ça c'est risqué. Pas trop la même route, et là on se bloque un petit peu. Je savais. Allez, ouais. Ça va être un peu gris. C'est dommage un petit peu pour Kata parce que ça va économiser des constructions. J'en ai marre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué là, je pense. Genre le mode dramatique. Je suis mort, adieu. Pars sans moi. Vas-y, fais ta vie maintenant, débrouille-toi. La vie me suit. Il est blanc en plus par contre hein. T'as un space, Kata. En tous les cas, t'es morte donc Ah, il n'y a plus beaucoup de construction, puis là, il se retrouve vraiment au milieu. Alors du coup, son équipier là qui le suit finalement, ouais, ils savent pas trop, ils arrivent pas trop à se trouver là, j'ai l'impression. Non. Ah, dommage, parce que là il y avait vraiment moyen de faire mieux. On l'entend, le mec qui est en train de se heal au canon à bandage à côté, c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu tout simplement laisser le logo, on avait pas trop le choix de toute façon donc. Allez, un team Minato, Froggy, on a 60 points pour l'instant. Donc on a la limite, hein. On était bien parti, mais on n'a pas fait trop de points depuis tout à l'heure. On est là-dedans là, dans cette box. Oh, je me suis fait la défendre une team. Ils auraient pu, je crois, ils auraient pu out. Là, tu veux une grosse? Ouais, on va. Y'a une autre team au-dessus en fait. Oh mais gros, ils jouent à quoi? Y'a une team en 270, y'a eux qui ont répu en 200, y'a une autre team au-dessus. Laisse tomber, frère. T'as tué la balle sniper, non, on va pas tenter. Eux là-bas, c'est chiant. 105 dans ta merde. C'est bien joué. Ils sont trop nuls en plus, frère. Comment ils sont sortis vivants de Stark? Ils sont trop nuls. Vas-y, go zone, hein. On prend la high au dernier moment, on s'en bat les couilles. Les mecs qui s'y prennent une balle sniper, ils sont trop nuls, genre. C'est ok, genre. Ça me termine. Ok.
Comment ils sont sortis vivants de Star, gros? C'est une joke, hein, vraiment. C'est la nouvelle phrase, j'ai l'impression, de genre de Fortnite. Ils sont trop nuls. Il me manque 200 de bois et 100 de... Par contre, il manque. Non, mais j'aime pas, ces mecs, genre, ils ne rush, tu sais pas ce qu'ils font, genre. Il y a une faille juste à côté pour la, pour la rotate. 30, tente la merde. Bah, attention, quand même, il y a des personnes au-dessus là de Stark là parce que. Voilà. Il se prend un gros laser. Ils sont 3, ils sont 3 gros. Ok. Attention, toi dans deux box. Oui, je les colle, hein, qu'il y avait des mecs. En plus, c'est eux qui t'ont mis des balles bientôt. 10 secondes avant que la zone ne commence à bouger. Mais voilà, on a une rotate facile parce qu'on a une faille, donc en soi, on est bien. Pour les empêcher de prendre la faille, les autres, il faudrait qu'il y, qu'il y en ait un qui prenne la faille dès le début et les deux autres tirent et il prend la faille au dernier moment. Là, ils vont la prendre en même temps, du coup, les adversaires auront aussi la faille. Alors que si t'as le premier qui prend la faille, le délai qu'elle s'arrête, t'as les deux autres qui restent là et qui spam les mecs, bah ça fuck leur rotate. Quoi. Tu peux même les bait. Genre, même aussi, il y en a un qui prend la faille et. Ils vont jump dessus, hein. Et comme ça, ils vont sortir de la box et tirer dessus, quoi. T'en as un qui attaque une grosse passe là et boum! Oh, j'ai mis 121 l'autre, après j'ai remis une balle de sniper. C'est gros bot, frère, je sais même pas comment ils sortent de Stark vivant, ouais, vraiment. Froggy, viens, on pique, on les arrache en l'air, gros, c'est pris. Vas-y, go, go. Oh putain. Ils vont pas aller en lane dessus, ça aurait pas trop de sens aussi. Bon, pas du tout, même. On va faire attention qu'ils soient pas isolés. Go le dernier. 32, 32. Ça bouge pas trop de la part d'un petit. Oh, allez, Hunter! J'ai une balle. Dommage. Heureusement, ça n'a pas touché. 32. Ah. Il y a un peu de métal sur moi si vous voulez là en bas. Moi, il me faut bois. Qui stack des grosses? Moi, j'en ai deux. On va prendre la mienne, je vais prendre un pont. Je vais bouger de lancer. Je peux faire un tir. Ouais, tire pour là qui peut carry en fin de game. Alors, dans la maison, il y a la pierre et tout à faire. Et du bois, il y a football à la maison. Ah, il y a beaucoup de joueurs qui font des grosses games, hein, alors attention. Ah, pour le coup, ouais. J'ai l'impression qu'on est dans des games de noob. Oui, complètement. Je pensais à la réalité. Est-ce qu'il a encore augmenté? Alors qu'on était dans le bon, à la moitié du tournoi. Il y a 59 points pour l'instant de top. On voit la team Dunchy, c'est limite limite. Pour l'instant ça passe, mais attention. Je me suis remis bien quasiment au football, quasiment. Et dans le haut du classement, c'est tout. Top 1 est à 121 points pour l'instant pour Kezix, 4ZR et Nate avec 4 games. Un top 1, 18 kills d'average. Il y a un sacré truc. Attends, je vais peut-être pouvoir. Kezix, 4ZR, Net, ils ont fait leur première game. C'est bizarre, ils ont fait un top 32, 0 kills. Ça n'a pas de sens. Deuxième game, top 6, 26 kills. Troisième game, top 9, 17 kills. Et quatrième game, top 1, 32 kills. Oh. Incroyable. Bah, plus ça va et plus ils perfent, alors que normalement, ouais, ça, plus ça va, plus les games sont censés être durs. Là, ils sont à 121 après, points. La semaine dernière, la qualif c'était 122, 123, non? C'est quoi, c'est ça? Ouais, 122, ouais. Ou en gros, là, c'est déjà fait quoi. Ils sont presque qualif. Mais après, il faut faire peut-être attention parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de games avec autant de kills la semaine dernière. Enfin, les premières, oui, il y avait beaucoup de kills, mais j'avais pas l'impression que les gens arrivaient à continuer à en faire autant, non? Si. Après là enfin, je prends juste des games, enfin des teams random, j'en ai pris une ou deux. Oui oui, forcément. Enfin, le reste, tout le monde est passé. Ouais, ouais, clairement. Genre là je prends une team avec Gambit, tous, Tomzy et Bronor qui sont pas des randoms évidemment. Top 1 14 kills, top 15 2 kills, top 25 4 kills, top 1 29 kills, top 29 3 kills, tu vois. Donc la première game évidemment qui était belle, mais après le reste c'est normal quoi en soi. Après c'est aussi beaucoup de games en peu de temps mine de rien. Parce que là ça c'est 6 games aussi pour eux. Après on a la moitié quand même donc. Ouais ouais. À la moitié, c'est à cramé 5 games en soi, c'est normal. Donc. Ah si. Je touche pas, fin. Du coup, si on, on a la moitié, c'est combien de points toi, tu disais, pour l'instant? Le là, top 1000 pour l'instant. Oh, il y a 59 points. 105, 105. Oh, c'est bien joué ça. 59 points, ok. Balle de sniper et tout, balle de pupu là, et ça permet de récupérer un kill avec pas mal de build, sûrement des répus. Retake. Ouais, oui, bah oui, kill, allez, c'est bien. Vas-y, c'est beaucoup trop ce jeu. Ok, il se prend une balle de sniper. Il y a combien de grosses?
Y'a 3 grosses, je me mets 2 grosses ou pas? Y'a 182 pierre. Oh, prends les mini, mets des mini, y'a full mini gros. De toute façon, si les grosses potes tu les prends pas, autant tu prendre. Hein. Une box en métal au-dessus. Ouais, c'est ça la question surtout. Vous remarquez, à chaque fois c'est moi qui me prends les balles de snipe alors que je saute H24. J'ai fait 3 boxes en métal. On a récupéré bah, beaucoup, en même temps, on a récupéré 6 répus. 3 boxes en métal au-dessus. C'est, bah pour le coup, c'est logique parce que en fait, quand tu sautes, ta trajectoire est prévisible. Alors que si tu strafes, ce que vous appelez strafer, c'est-à-dire aller de droite à gauche, et bah là c'est pas prévisible. Parce qu'en gros, enfin, bref, je lui dirais, mais c'est assez logique en fait. T'as un slot libre, Froggy? Bah non, 6 splash, 6 mini, 3 grosses. Ok, bah tiens, attends. Paye ça. Allez, 55 joueurs en vie dans cette game. Bah il peut boire une grosse hein, il y en a en 3. Ah ouais. Non mais c'est bon en vrai, j'en ai 2. Oh, non, non, j'ai bu, j'ai bu. Ou je crois une terre. Okay, la prochaine zone qui est complètement à l'opposé d'eux là par contre. Il reste quoi comme après ils ont beaucoup de répus, ils ont des pattes bleues donc leur rotate devrait bien se passer en fait. Go répus pattes bleues là. En fait on fait le truc qui nous envoie. Ouais, répus pattes bleues là, on est obligé, elle est trop loin encore. C'est bon comme ça là. Ouais, t'aurais dû faire un pire mais tranquille. Faut casser le sol. Mets le pad. Passe du coup. C'est qui qui a la répu? Oh, c'est une nouvelle strat. Ou... mets-toi au milieu et tu la mets ici. T'en as combien de ce côté. Ah, d'accord, c'est pour que la répu te balance sur le pad bleu. Ouais. Giga y'a un bas. Ah, ça casse le pad bleu, mais ça fonctionne quand même du coup. Ouais, ouais, du coup ça fait sauter plus loin. T'allais mettre un 200. Je suis pas sûr parce que vu que la répu cible elle te touche avant que l'effet du pad bleu soit in, je suis pas sûr que ça marche aussi bien que. Ça se trouve, ça te touche quand même. En fait. C'est genre au moment où tu lances la répu, tu te tapes contre le pad bleu. Parce qu'ils ont mis un wall. Il y avait pas un escalier qui est bloqué entre le pad bleu et eux donc. Ok. Je suis pas sûr que ça marche à 100%. De toute façon, on a entendu. C'est Froggy qui a dit ça m'a pas de bleu donc. Ah. Crack. 140, 140, j'ai un HP, j'ai un HP, j'ai un HP. J'ai plus. Oula. Devant moi, devant moi. Par contre, attention parce que là on s'est split complet là. Mais c'est bon, on a quand même récupéré le kill là-dessus. On se prend la sauce par les autres. C'est bon, je vais tirer. Alors, est-ce que Minato va survivre? On dirait que oui. Bah, on récupère encore des rébus. Parfait. Il y a beaucoup de stuff, il y a encore des grosses potes en balle, il y a tout ce qu'il faut donc. Il y a full métal, full brique, il y a tout en fait. Attends, moi aussi, il me faut des maths, il faut la brique. Non, mais il faut. 70 shield. Voilà, une bonne balle de pompe, ça les calme en face évidemment. Par contre, ça lag, hein, on voit que Froggy est en train de se TP clairement. Attends, fais gaffe, ça me tire de derrière aussi. Revenez. On commence à gridou un peu, je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour le gameplay là. J'ai récupéré 2 répus à la place de mon harpon aussi. Vas-y, passe ta clé alors. Bah ouais. Il y a encore des mini là. Allez, on a la zone 50-50 qui va être donnée dans 10 secondes. Attends. Vas-y, moi je suis full mat encore. J'en ai 6. Vas-y, mets-en une. Hein. Encore full de matin, hein. Je sais pas vous. Zone. 63 points actuellement, donc c'est bien. La zone qui est pas trop long, ça va donc. Répu, ça suffira. Ouais. On peut la faire par là. Peut me split sa brique, j'ai 62 briques. Mais vraiment, leur strat de pâte bleue. Envoyez-moi 100 chacun. Elle est bizarre, hein, parce que je crois pas qu'elle fonctionne 100% pour le coup. Bah, faudrait, je vérifierai au pire. Après, quoi qu'il arrive, t'as bien vu que ça allait plus loin. Que si tu utilisais juste une répu. Viens Froggy. Ceux qui prennent l'effet du pad bleu, oui, mais Froggy non, vrai, parce que lui il est pas du tout allé aussi loin qu'eux. Parce que lui il a pas eu l'effet du pad bleu. En fait, si tu prends pas l'effet du pad bleu, la strat sert à rien. Alors là, tu vois, on voit que Hunter l'a pris. Hunter l'a pris, du coup ça a fonctionné sans problème. Donc je pense que ça marche pas tout le temps, mais. Non, mais c'est toujours la même, gros, ça m'envoie sur la. C'est toi qui est avec moi, Minato? Non. Ouais, et du coup là, ouais, effectivement, il y a un d'entre eux là, faudrait que je regarde. Le problème, c'est qu'il n'y a plus les replays, les replays bug. Mais je le referai en créatif. Fais gaffe, il y a juste 3 mecs ici là. Tranquille. Bon, j'ai réussi quand même à récupérer des infos, enfin. Par exemple, j'ai travaillé sur le stuff des joueurs, justement, avec l'espace, etc. Les maths, etc. Donc je pouvais travailler, mais... Et il y a certaines choses que tu peux pas faire, genre, pour ceux qui sont pas au courant, en gros, les replays sont tout noirs, quoi, l'image est tout noire. Oh, bien joué, ça, DRG. Un beau top 1 avec 76 points. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de kills dans cette game, ça, on va voir vite fait, là. Ouais, clairement. Bien joué, c'est bon. Bien joué. 38 points de kill, donc... Ils sont à 90 points, du coup ça les a clairement relancés dans le tournoi. 3-1-0. Ah, je pense qu'on va devoir utiliser les répus. Faudrait faire la même du côté d'un T histoire 5, 2, de pareil, de se mettre bien au niveau des points. Protection de toi.
Ouais, je pense que c'est ça, PTS 83. C'est qu'en fait, il y en a un qui se met loin du pad bleu, et du coup, quand la répu le casse, le temps que le mec se fasse éjecter, le pad bleu en fait n'est plus là. Donc, je pense que c'est un peu pour ça. Il est là. C'est pris, wesh. Attends, on peut leur monter dessus, frère, non? Attends, vous êtes chaud, nous avez joué à l'opposé, attention. Mais on a des répus, non? Ah, mais pas maintenant, en vrai, je pense. Regardez. Peu, hein, on l'aurait pu tuer, frère. Vas-y, vous êtes chaud maintenant. Donne une répu. Tiens. Vous me dites quand vous essayez de reprendre la hauteur maintenant, j'ai l'impression avec le. Avec la répulsive. C'est bon, moi je vais monter. Vas-y, 3, 2, 1, go. Il est tout seul, on a réussi à lui mettre pas mal de dégâts, du coup la hauteur qui se joue, moi aussi. On l'a récupéré. Contre, on est quand même très très loin parce qu'on était vraiment à l'opposé de la zone. On n'a pas full build, c'est un peu YOLO le mot, je pense qu'on aurait peut-être dû aller en se mettre en zone et puis après essayer de récupérer la hauteur, parce que là ça va être compliqué, attention un petit, avec quelqu'un dans sa box, donc c'était son mate et donc ça va, par contre on voit beaucoup de joueurs qui tentent un petit peu de jouer la hauteur, il y en a toujours un qui tente de contester actuellement. J'ai 300 bois, il nous reste 300 bois, c'est tout ce qui reste, ils vont même pas avoir de quoi aller se mettre en zone. J'ai plus à l'autre bout. Vas-y. C'est un petit peu là quand même, ça gaspille un petit peu des répulsives. On a un qui a été validé, je sais pas trop comment, mais on en a pris un. Par contre, on a Minato qui a pris du pas mal de vie et qui est même mort en fait. Fais gaffe. Mort. Prends les mains, te remonte. Rogi qui récupère encore un kill. Attention, on les répulse grand. Ah, il va mettre des dégâts un petit peu à tout le monde là, c'est bien ce qu'il fait. C'est plus que ça, Rogi, faut que tu remontes. Non, top 15 récupéré malheureusement. Je t'explique quoi, dis-moi. Top 15, t'as 30 joueurs en vie. Hein. La Sampsurge qui est active pour un joueur pour l'instant. On reste bien. Il va finir à l'instant. Le top 15 qui est récupéré. Ouais, bon, lui il est parti tellement loin par contre. Si on arrive à lui mettre une balle. Ouais, je m'en relis. Ah, ça, matelas là. Ah, ça utilise des matelas un peu YOLO. Une balle. Ils sont même pas ensemble. On les voit, les gens, tout le monde se tire dessus en fait. Moi, tu penses? Ouais, je pense que les lags aident pas aussi à la cohésion des trios. Clairement. Oh, je tombe. Y'en a qui casse. Attention, peut-être là-dessus. On a réussi à reprendre l'édite. Malheureusement, la balle de pompe qui a pas mettre beaucoup de dégâts. Rogi qui enchaîne encore avec un kill. Et on continue, on reste en haut. On n'a pas trop de bulles, mais on arrive quand même à rester en haut. Oh, peut-être la belle balle de pompe. Voilà, c'est bien ça. Il a essayé de reprendre la hauteur avec pas de vie, le pauvre. Du coup, il s'est tué, massacré. Dans une, si jamais on tombe. Tiens, j'en ai 5. Il reste pas des maths là. Oh, il a beaucoup lui. Ça veut dire qu'il va un petit peu de briques, c'est toujours ça évidemment. Tiens, briques sur moi. Les gars, ça aurait plus pas de bleu, je crois. C'est bien, on s'est donné beaucoup, il a beaucoup de build encore, Froggy, avec tous les kills qu'il enchaîne depuis tout à l'heure. C'est une petite balle dans la tête, c'est encore un kill, c'est bien ça. Et du coup, il reste plus que 13 joueurs dans cette game, et justement, on est en train de monter beaucoup, beaucoup de points alors qu'on était à la limite depuis tout à l'heure. Et là, ça enchaîne bien, c'est dans le blanc. 26 blancs. Je redescends. Mort. Froggy qui récupère encore un kill. Ça aurait 12 joueurs en vie, donc il reste 10 contre 10 ennemis. 9 maintenant, on voit que les gens sont tous en train de se tuer en low ground alors qu'eux ils gardent encore cette hauteur, c'est très bien ça. Au pire, j'étais pas de boss si je tombe. Ici. À la fin, oubliez pas si vous. Ça aurait pu en tout temps. Ici, il répu. Oh, mais lui va se faire exploser par contre. Eh, le pompe. Knock. Bon, ça va, il a quand même réussi à le mettre. Il y en a encore. Ça tient sur rien. Non, ça tenait sur rien du tout. Ah, c'est tellement dommage. Le mini. Ça tenait sur un seul morceau de bois, il aurait pu faire tomber de suite. Bon, je peux lui répu. Malheureusement, il perd un petit peu la hauteur. On a le kill qui a été validé de celui de tout à l'heure. Et un chi qui va essayer de reprendre la hauteur encore une fois. Il arrive à mettre pas mal de dégâts. Oui, bien joué ça de la part d'un chi, c'est bien. Attention par contre. Il arrive à se récupérer, le kill qui a été récupéré. Il reste plus que 4 joueurs contre eux. Il y a un chi qui se débrouille très très bien dans cette game. On a 85 points. On a 86 points même, on est en train d'enchaîner tellement de kills là, ça c'est bien, ça a été break kill encore une fois, il reste plus que 2 joueurs et les deux ont plus de vie. Et c'est un 2v1 maintenant pour un Tier Froggy. Et il a plus de vie en plus et du coup on enchaîne sur le top 1 là-dessus. Et du coup ça va faire beaucoup de points, je pense que ça va leur faire 96 je crois. Ah, ça fait 96. Ça fait 96 que le top 1 a déjà été, non 99 même, le top 1 qui a même pas été validé encore. Du coup ouais, c'est 99 points pour eux. Dinguerie. Ouais, d'où?